La bonne mère en ligne de mire, il est arrivé chez lui. Marseille, les premiers bords de Franck Camas, les premiers fonds de ciré usés sur les caissons en dériveur, il ne pouvait en être autrement. Groupama a coupé en vainqueur la ligne d'arrivée de la dernière étape de ralliement du Tour de France à la voile 2013. Cette étape de 35 000 entre la Seine-sur-Mer et la cité phocéenne fut courte, mais diablement intense. Le match pour la deuxième place entre Bretagne Crédit Mutuel Élite et Courrier Dunkerque fut quelque peu dérangé par des équipages assoiffés de podium. Sodebo, Timo Mansell et TPM Koch se sont battus comme des diables pour s'offrir respectivement les deuxième, troisième et quatrième places. Une régate intense le long des calanques, pas sûr que les équipages en aient profité. Pendant ce temps-là, les Dunkerquois ont magnifiquement contrôlé leur adversaire. Les voilà désormais deuxième au classement général à 3 points seulement des Bretons. Autant dire que demain, pour la Der des Der, entre les Goudes, la Pointe Rouge et les îles de Frioul, le suspense sera à son comble.